Bonjour, je vous ai amené dans la nature. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Donc, si vous entendez des bruits, ça risque d'être le vent. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et je vais vous proposer une respiration, une petite respiration que vous pouvez faire partout où vous êtes. Mais je vais l'agrandir un petit peu juste pour cette vidéo. Donc, vous pouvez prendre une assise confortable. Et pour le principe, vous pouvez imaginer un axe ou un tube au niveau de la colonne vertébrale. Et à chaque inspiration, vous imaginez l'inspiration monter. Et à chaque expiration, vous l'imaginez descendre. On va faire une respiration à quatre temps, une respiration carrée. Et on va compter. On va compter quatre temps pour inspirer, puis quatre temps à poumon plein, quatre temps pour expirer et quatre temps à poumon vide. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes confortable avec ça. Et on va expirer à fond. On va inspirer. 1, 2, 3, 4. Quatre temps à poumon plein. 1, 2, 3, 4. Quatre temps à poumon plein. En expirant, 1, 2, 3, 4, 4 temps à poumon vide, 1, 2, 3, 4, 4 pour l'inspirer, 1, 2, 3, 4, 4 temps à poumon plein, 1, 2, 3, 4, 4 temps pour expirer, 1, 2, 3, 4, 4 temps à poumon vide. 1, 2, 3, 4. On inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. 4 temps à poumon plein. 1, 2, 3, 4. 4 temps à poumon en expirant. 1, 2, 3, 4. 4 temps à poumon vide. 1, 2, 3, 4, 4 pour inspirer, 1, 2, 3, 4, 4 temps à poumon plein, 1, 2, 3, 4, 4 pour expirer, 1, 2, 3, 4, 4 à poumon vide, 1, 2, 3, 4, je vous laisse continuer à votre rythme, 4 à l'inspire, 4 à poumon plein, 4 à l'expire, 4 à poumon vide. Si vous êtes à l'aise avec ce compte, vous pouvez augmenter. Vous pouvez compter jusqu'à 5, jusqu'à 6, 7, 8. Mais toujours l'inspire, les poumons pleins, l'expire et les poumons vides. Ça reste le même compte. Donc en inspirant, le souffle monte dans l'axe. À poumon plein, vous pouvez étirer la colonne très légèrement, rentrer un peu le menton vers le sternum. En expirant, le souffle descend. Et à poumon vide, vous pouvez, si vous avez envie, rentrer un tout petit peu le ventre. Mettez de la douceur dans cette respiration. Et après une prochaine rétention à plein, vous laissez aller le souffle.
Vous observez l'ambiance, les sensations dans le corps. Observez les émotions qui sont là. Sentez ce qui est différent par rapport au début, avant de faire cet exercice de respiration. Très bien. Et on va terminer cet exercice. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.